Bonsoir tout le monde, rapidement fait une vidéo qui me voulait faire en 5 minutes. Premier bagage nous va montrer la donne, comment vous sauvegarder une chose sur un dispositif externe, parce que nous avons bien à 10 externe. Deuxième bagage, comment utiliser WhatsApp sur computer Windows. On aller rapide, premier bagage, on connecte Jump maintenant. Laissez Jump monter, Jump a déjà monté, moi fermé, ça l'ouvre pour moi. M'a prouvé un document. Mes documents ça, mes deux façons qu'a générer sur Jump moi, on peut mettre le sous format Word même. Pour ça, qui ça me fait? Moi clique sur File, on clique sur Save As. Là, moi arrivé dans espace ça là, ou même si vous pas utiliser OneDrive dans Windows, ou pas besoin. Premier ça qui est en l'air là, mais on revient deuxième ça. OK? Ah, chose aller. On revient reste liste ça. Maintenant, qui ça va faire? Sous Giz PC, on va pouvoir des possibilités ça, Giz PC. Vous faites double clic sur lire rapide pour le cas ouvert rapide bas ou l'elfi nous ouvert là. Vous cliquez sur Giz PC là encore dans le bas à gauche ça. Vous descendez. Vous faites double clic sur notre jump. Notre jump pas non ça nous garde là. Ou même si jump ou doit monter comme removable disk si c'est première fois ou utiliser. Si c'est première fois, il monte comme removable disk. Soit faire même cliquez sur lire et pour presser FD. La paret, j'en paret là, ou pas effacer ça qui crie, ou mettre non, ou bien ou non, voulez by jump ou moi. Moi, ma pite non pas m'en comme ça. L'offre qui non, fait enter, la tout prend non. Deuxième bagarre, ou fait double clic sur lui, après ou cliquez sur save. Ou by document yon non d'abord, après ou cliquez sur save. Vous avez un document ça, en Word. C'est un format Word sous jump. T'as l'aimé à l'ouvrir jump là pour montrer nous quel sous lui. Mais avant, pour montrer nous comment nous cal générer en PDF ou sous jump là. Là, au lieu de cliquer sur Save As, je fais File encore. Au lieu de cliquer sur Save As, je clique sur Export. Ou utiliser PDF. Là, si c'est un document ou qui est en fin créé, qui ou pas modifier encore, ou pas seulement imprimer, mais bon, ou utiliser ça. Ou cliquer sur Create PDF XPS Document. Et puis là, vous cliquez sur le bouton ça. Encore, Create PDF. Demandez un nom, premier bagage à faire vous-même. Ou faire même des matchs là si il pas tout reconnecté sur jump on faire même des matchs là qui est sur Giz PC sur Windows 10 sur Windows qui puis bah tant que 7 ou cliquer sur My Computer ou descendre ou choisir non jump là encore ou faire double clic sur lui ouvert et puis tout là ou cliquer sur ou bail document un nom d'abord et pour cliquer sur publish immédiatement là l'a généré un document PDF et l'a sauvegardé sur Jump. Là on peut pas prendre un petit temps pour bagaille parce que l'a tout ouvert encore bon moi pour me visualiser. C'est ça qui fait le petit temps. Bref, mais en là voilà, il est ouvert pour me visualiser. Mais c'est pas ça mon besoin, m'a fermé parce que c'est pas ça mon besoin. Chose fermé pour moi s'il vous plaît. OK. Voilà. M'a même fermé Word, m'a besoin encore. Ça me fait là, il valide pour quel que soit l'autre logiciel ou t'as utilisé. On y a ça me fait pas l'ouvrir Jump là pour mon carré ou sur le là mal là. Moi cliquer sur Giz PC, on clique sur Giz PC, ouvrir Jump moi on fait double clic sur lui. Là nous ouvrir premier document généré en PDF là et mais ça qui dans format Word là. Bon, moi même pas besoin yo, c'est juste pour te montrer nous m'a effacer. Là me finir effacer yo, on va montrer nous comment pour nous retirer Jump là sur computer. Si vous retirer Jump là sur computer nous et juste aller sur Giz PC encore ou bien My Computer ou Windows 7 et pour faire double pour faire clic droit sur le clic sur Eject. Et que t'as allé. Vous mettez en retirer Jump pour à l'aise qu'on y a, c'est clair, c'est fini. OK? Maintenant, deuxième bagage que je vais te montrer c'est comment utiliser WhatsApp sur computer. Premier bagage, on va aller rapide vite, nous allons voir comment utiliser WhatsApp. Ou gen deux formes ka utilize WhatsApp sur computer. Premier bagay ou ka installer application WhatsApp la sur Windows 10. Pour faire ça, ou aller nan la sur icône ça qui c'est Microsoft Store ou cliquer sur li pou l'ouvrir Store Microsoft là. OK? Là li bon gen game, gen application, gen paquet bagay. Ou même ça qui intéresse c'est WhatsApp. Pas oublier quel gen Messenger, li gen Facebook, il y a toute application utilisée sur téléphone sur lui. Pour moi même c'est WhatsApp et même on tape WhatsApp pour faire une recherche pour me faire plus rapide. Cliquez sur on tape WhatsApp et là, li bon moi. Là moi bien WhatsApp qui m'a installé, il y a un paquet d'autres applications qui c'est une application de message qui m'a installé. OK, si vous descendez plus bas. Il pas tout montre Messenger, mais en là. On clique sur WhatsApp. OK. On va installer là, on juste montrer nous comment on fait ça. Et puis là regardez bien là où il y a Imo, Messenger, Force, si c'est là,
un paquet de choses. Autre bon, un paquet d'applications là où ouais, on te montre nous. Ok. VK Messenger, ça me semble bien mon qui utilise, mais même qu'on peut qui ça là. Et puis l'arrivée là, non, il se passe à cliquer sur install. Après, ça pas besoin de faire rien, la installer pour contrôler. Mais faut que ordinateur connecté à internet. Ok. L'elfin installé ou à couvert. Bal montre comment la couvert, comment la paraît. On va le montrer sur une autre forme. Deuxième, c'est dans deuxième possibilité, on va le montrer même interface là ouvert là. OK? Le pour finir qui est sous installe pas faire rien, quoi la venir installer pour compte. Maintenant, moi m'a fermé Microsoft Store, va le montrer. On va utiliser ça relé WhatsApp Web. WhatsApp Web c'est sous dans un browser internet. Mais dans application là pour même genre tout premier interface ça c'est même bagarre. Pour ça, ça m'a fait m'a ouvert chose moyen on browser internet, m'a ouvert mais une table et m'a cliqué sur m'a ou ouvert c'est web et chose là on va taper assez web web web.whatsapp j'en connais whatsapp écrit.com et pour presser enter première fois ouvert si vous que j'en connecter sur il apparaît comme ça les gain qui code ça pour que vous scanner sur téléphone ou prendre téléphone ou on va prendre téléphone ou on va dans whatsapp ou cliquer à profil rive dans WhatsApp c'est pas dans aucune conversation avec mon nom dans interface premier interface WhatsApp là ou aller dans trois petits points en l'air qui signifie menu ou cliquer là-dedans la bon new group new podcast ou paquet d'autres bagaille ou à cliquer sur WhatsApp web donc cliquer sur WhatsApp web la bon si votre que j'aime utiliser la bon possibilité pour ajouter un browser après un signe plus ou cliquer sur signe plus là et puis la mande pour fixer caméra téléphone ou en sous qui code qui dans chose là ou à juste fixer la pile et puis tout pas tout mes ça tout WhatsApp bagaille WhatsApp ou tout paraître sur ordinateur tant que j'en pas mieux paraître là. OK, et interface nouvelle te ba nous tout à l'heure m'a sorti pour me donner interface là m'a sorti pour me retourner là-dedans voilà interface ça les applications sont montrer nous capable installer à partir de Microsoft Store l'offre couvert c'est même interface ça là va afficher là. Donc démarche c'est même bagaille c'est prendre téléphone nous aller dans menu faire WhatsApp web et scanner qui code ça avec téléphone nous et d'un coup là tout connecté. OK, et petit bouton ça nous qui bleu là bon font petit zoom bouton ça nous qui coché a toujours coché l'a décoché nous commencement nous même coché pour qui ça pour prochaine fois là pas utiliser WhatsApp sur ordinateur pour que nous pas besoin reconnecter là encore. OK, parce que l'a tout était connecté net. Moi même ça m'a fait m'appeler Joss ajouter scanner qui code ça encore pour me reconnecter ordinateur moi avec lui. OK, quitter ça et puis c'est fini. C'est ça m'a montré nous c'est comment utiliser WhatsApp et comment save sur un dispositif externe. Kembe là, n'apprenons prochaine vidéo.